Bonjour Yaoundé et bienvenue ici à Ngaoundéré, la ville de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, s'est réveillée avec des fortes détonations ce matin. En cause, les mototaximans sont massivement sortis dans la ville. Ils s'insurgent contre les actions des forces de maintien de l'ordre qui, d'après leurs témoignages, les mettent dans une situation difficile. Selon ces derniers, dans la nuit d'hier, plus de 400 motos ont été confisquées par les forces de l'ordre. Je n'ai aucune famille, sauf ma moto, la queue de travail. Des sortes comme ça. Un policier sur la 19, il t'arrête. Tu travailles 5 000, tu lui donnes 5 000. Tu travailles 5 000, tu lui donnes 5 000. Jusqu'à quand? Moi, mon problème, c'est comme ça. C'est ça que j'ai parlé. Moi, je veux notre Cameroun soit en paix. Depuis qu'elle n'a pas mangé le pouvoir, on est en train de souffrir. On dit qu'on va voir. On est en train de voir. C'est devenu quoi? Nous sommes dans notre pays, on ne peut pas respirer. C'est devenu quoi? Mais c'est pas ça, on est de pleurer à la maison. Je dois me nourrir la famille avec quoi? Mais c'est pas ça, je ne peux pas rentrer à la maison. Ma moto est avec eux. On appelle la route, on paye les impôts, tous les taxes sont payés. Ce matin, lorsque les mototaximans se sont insurgés contre ces agissements des forces du maintien de l'ordre, les policiers ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène dans les artères de la ville de Ngaoundéré. Les mototaximans ont riposté avec les lances de pierre, avec des jets de pierre. Et tout juste après, c'était des tirs à balles réelles que les policiers ont lancés dans les artères de la ville de Ngaoundéré. Au moment où nous vous parlons, tous les carrefours de la ville sont barricadés. Le carrefour 140, le carrefour cinéma Adamawa que vous voyez tout juste derrière moi sont barricadés. Et actuellement, au niveau du carrefour Texaco, c'est un échange de tirs et de pierres qui est en train de se dérouler. Le préfet du département de la ville, Fritz Diko Sesemé, est sorti avec son état-major. Le délégué régional à la sûreté nationale, Tioua Pierre, est également sorti. Les policiers sont venus en renfort pour sécuriser la ville de Ngaoundéré. Actuellement, ce sont des détonations que vous entendez en fond qui sont en train de battre leur plomb dans la ville de Ngaoundéré. Depuis Ngaoundéré, justement, Dewa Aboubakar pour Vision 4.